Bonjour guys, bonjour, bienvenue dans VVGL Travail pour gagner l'argent. L'autre fois encore, nous porter top 10 nouvelles cap dominer actualité crypto-monnaie pour jeudi et dimanche 26 décembre. Depuis semaine écoulée, nous avons top 10 nouvelles qui a dominé toute actualité pendant semaine. Eh bien, nous gagnons Monsieur Henri Archlin, monsieur qui c'est un entrepreneur et lié Henri Arslanien. Eh bien, monsieur, c'est un crypto leader. Eh bien, monsieur lui-même, monsieur gagne en fortune environ 2 et environ 10 100 millions de dollars et pardon, et ben Henri Arsalanian lui-même l'hypothé prédiction cryptographique pour année à venir. Et ben premier prédiction que monsieur lui-même l'hypothé, mais entreprise fortune de 500 dans le métaverse. Eh bien, c'est ça, monsieur fait connaître. Premier, ça, monsieur fait connaître, monsieur fait que 2021, lui-même l'était, ouais, concept métaverse, là, lui-même l'était une irruption dans le monde courant, dans le monde courant dominant, alors que t'es gagné plusieurs jouets dans l'écosystème métaverse, là, qui t'a existé depuis plus de 10 ans. Eh bien, nous t'es, ouais, ça, Second Life avec Roblox, il fait, ouais, que Facebook lui-même l'a changé non en Meta, dans fin octobre 2021 qui s'est passé là. Eh bien, monsieur fait connaître tout ça, c'est un plan qui a porté lumière à l'écosystème métaverse là. Eh bien, nous gagnons sacré le goût de Decentraland et de Sandbox. Lui-même, c'est deux bons exemples pour chaque monde qui connaît une croissance énorme pendant que 2022 à lui-même libéral rentrer. Ben chaque entreprise fortune ça yo gagné yo défini stratégie dans métaverse là. Et ben premier prédiction monsieur fait connaître sur ça, et ben pour gagner plus de fortune dans le secteur de métaverse. Et ben c'est ça monsieur fait connaître pour année 2022. Monsieur fait connaître le métaverse 2022 sera l'année où il pourrait devenir grand public. Et ben ça veut dire métaverse là lui-même il va le tourner en réalité dans les années l'année 2022. Deuxième prédiction monsieur fait connaître que les banques privées ont du FOMO crypto. Nous connaissons ça, FOMO crypto, c'est peur pour être dehors. Eh bien, année dernière, selon ça, monsieur fait connaître, monsieur t'es prédit que 2021, il pourrait avoir en pile banque privée pour entrer dans l'espace crypto. Eh bien, ça, t'es fait vrai. Année 2021, nous avons en pile banque privée, tant que Morgan Stanley, tant que JP Morgan, eh bien, ils ont même été lancés produits Bitcoin et crypto pour clients. Eh bien, monsieur fait connaître que produits, ça eux répondent à demande d'exposition aux actifs numériques de la part de nombreux family office et particuliers fortunés. Même monsieur fait connaître produits, ça eux même ils étaient toujours une marge élevée pour banques privées, c'est qu'à gagner un environnement de compréhension et de vrai devient la norme. Mais ça monsieur fait connaître cependant. Et selon l'article là, produits ça eux-mêmes, ils ont un avantage concurrentiel pour banques privées et probablement bientôt il y a passé à une ère côté que produits cryptographiques ils ont un avantage flagrant devant l'agent fiat là. Et bien, monsieur fait connaître grand pile banque privée et qui pas considérer Bitcoin comme un atout sérieux. Mais pendant 2022, pendant 2021, 2020, 2021 qui sont passés, et bien, monsieur fait connaître et banque eux-mêmes ils ont lancé non course pour yo gain monnaie digitale. Et bien, monsieur fait connaître que nous devons attendre que la plupart de et entreprises privées, ça, on a parlé de banques, eh bien, nous mettons en année 2022, plus banques pral rentrer dans le game. Nan. Et troisième prédiction, monsieur fait connaît que Salvador lui-même, il pral inspirer d'autres pays. Eh bien, nous connaissons qu'en 2021, selon ça, monsieur fait connaître dans l'article là, et Salvador lui-même, il est devenu premier pays au monde qui reconnaît Bitcoin comme monnaie légale. Mais monsieur fait connaître que effet ça a eu positif, il a déjà enregistré, et selon le président salvadorien Nayib Bukele, plus que moun et
désormais yo gen yon portefeuille et qui gen Bitcoin la caillou et yo gen yon compte en banque. Ça vient permettre que 70% de population salvadorienne nan li même li recevoir et l'argent nan portefeuille yo sans frais et sans yo pa paye yon paquet pourcentage pour transaction. Ben monsieur fait connait que FMI Banque mondiale là et deux organisations ça yo même yo té et créé lors de la conférence de Bretton Woods de 1944 au cours et côté dollar lui-même il était adopté comme monnaie de réserve mondiale et fortement opposé avec des mesures et qui était averti public là. Et ben Salvador lui-même il pas fait marche arrière, il était metté main en canson, il était dit c'est l'a adopté dollar et puis tout l'a adopté Bitcoin comme monnaie légale, comme monnaie à cours légal. Et ben qu'il y a un pile politicien qui décidait et dans petit pays yo, et ben nous gagne ça et puis devant nous voir ça nous l'autre article, et ben qui dollarisé, et ben y aurait qui était dollarisé comme pays tant que Panama et qui était comme un pays de facto dollarisé, et ben gain tout le Paraguay lui-même qui est en développement pour suivre trace El Salvador. Je dis d'ailleurs yo mettez information de nous pas voir plus devant. Ben d'autres pays ben peuvent ne pas vouloir de Bitcoin à proprement parler, mais pour être intéressé par d'autres formes de monnaie numérique, c'est ça n'a pas gardé là. Ben par exemple les Palaos yo même yo annoncé que yo envisager pour yo lancer un stablecoin soutenu par le gouvernement, tandis que l'île Marshall lui-même lui envisager pour lui lancer propre monnaie numérique li, et ça lui-même li pral et fait marché émergent. Par exemple nous gagnons comme récemment enquête qui révèle que 27% de résidents américains de yo même yo favorable pour que yo gagne monnaie légale de Bitcoin. Et pour nous avancer plus devant pour vous donner plus d'informations, gagner faire ou casser pour Ethereum. Et ben Ethereum c'est le plus grand plateforme de contrat intelligent. Et ben de yo gagne première couche de capitalisation boursière yo, cependant 2021 qui saute passé a yo te gagne en pile problème avec frais et des difficultés yo te gagne qui était normalement évolutionné avec des frais exorbitants. Donc on est pour donc on est projet Ethereum dans lui-même lui c'est un projet qui gagne trop frais de transaction. Et ben prédiction monsieur Fergouli, monsieur dit gagne en pile opportuniste autour de Ethereum 2.0 qui associé avec changement récent comme IEP et tiré 1559 là, ben monsieur fait qu'on est que pral gagne un prix Ethereum dans lui-même il pral et il était passé de 750 à 4800 et année qui saute passé à là. Monsieur fait qu'on est que et selon salon sérieux dans ville et grand marché ici là, et ben 2017 lui-même li existait et li pral bay plusieurs alternatives pour couche 1 et Algorand gen projet tan Algorand, Avalanche, Solana et Tezos, mais yo même yo pral offrir meilleur yo déjà offri meilleure solution pour zafè frais qui gen pour avec crypto. Nous gen et joueur qui catalyse le web 3.0, on parle de web de joueurs, on a parlé de gamers, et ben qui yo même yo pral commencer utiliser web 3.0 et 2022 monsieur fait qu'on est web 3.0 lui même il était internet statique et Netscape li web 2.0 lui même il était internet qui engagé qui contrôlé par les grands acteurs technologiques comme Meta et Google. Et le web 3.0 est un internet décentralisé et sans autorisation, mais aussi un internet dans lequel les utilisateurs ont le contrôle de leurs données. Eh bien, nous avons une convergence de NFT, DeFi et Metaverse, là, lui-même, nous allons conduire un écosystème de Web
de Web 3.0 et catalyseur ici entre l'industrie de jeu. Et monsieur fait qu'on a gagné plus de 2,5 milliards de joueurs dans le monde et la frustration s'est accrue des dernières années face au contrôle démesuré exercé par certaines des grandes sociétés de jeux, de l'incapacité des joueurs à posséder leur actif dans le jeu, au manque d'interopérabilité avec d'autres. Monsieur fait qu'on a gagné environ 2,3 milliards de joueurs dans le monde. Ça, et bien, monsieur fait qu'on a que et pour gagner et plus jouer dans l'année 2022. 2021 est montré était qu'on puissance de DeFi et de NFT dans jouet là et plus puissance de modèle de jeu pour que mon yo capable gain et l'argent de manière yo jouer de manière yo jouer et yo gain de manière décentralisée. Nous t'ai Axie Infinity et li même li te gain 2 millions joueurs actifs mensuels sous lui. Et avec de nombreux fonds surgissants, eux-mêmes qui est exclusivement concentré dans l'espace de fonds de jeu Web 3.0 de 250 millions de dollars que Solana lui-même l'était et qui sont un parfait exemple pour espace là. Nous avons TVN les TVN se généralisent mais manque de clarté comptable, fiscal et juridique. Nous voyons que 2021, NFT yo même yo te projecteur, volume de vente te dépassé 12 milliards de dollars, plusieurs ventes éclatées et très médiatisées. Yo même yo te ouais, jou yo, nous gen JPEG de 69 millions de dollars de BIPO, ben te gen plusieurs ventes de plusieurs millions de dollars, CryptoPunk et NFT Board Act Yacht Club. Ben te gen Eurofi, euphorie mais euphorie a qui salté tout le monde t'est plongé tête yo dans ça que t'es gain pour avec NFT ben le refus autour des NFT même yo t'est valorisé de manière exorbitant ben c'est tomba qui t'est vraiment et enragé selon ça monsieur fait qu'on est et monsieur dit nous mettre attendre nous que année 2022 à lui-même l'y a prêté sous même point. Tout le regard se tourne vers la Chine et son ICNI. 2021, tout j'étais tourné vers la Chine parce que la Chine te mette yon politique contre crypto-monnaie. Et bien, 2021, année record pour le CBDC. Donc, le CBDC, c'est un gros bout de tonton banque international. Non seulement il était gain pour plusieurs projets de révolutionnaires dans le domaine de CBDC de gros et du projet MCBDC Bridge et projet de Hong Kong, projet de Damba, projet de Singapour, mais il était gagné de nombreuses CBDC de détail et il était prend forme tant coup Iniare, projet de Nigeria au Sendala, projet de Bahamas. Mais tout regard 2022 ça a été tourné vers la Chine avec lancement prochain de ICNI et pays à lui-même la parlé de la Chine lui-même il était déjà traité environ 9.7 milliards de dollars de transactions de ICNI via ses différentes pilotes. Et plus de 140 millions résidents chinois et qui étaient déjà qui ont portefeuille ICNI. Dernière interdiction de crypto-monnaie en Chine, c'était le début des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en février 2022. Et bien, il y a eu lancement de projet ICNCA au début de l'année prochaine. Mais c'est un moment historique, la pied pour l'argent. L'autre prédiction, je vais connaître échange cryptographique centralisé et concours. On parlait de concours et quand nous t'ai dernière année dernière projet DeFi ben eux même ils poursuivent croissance rapide 2021 avec valeur totale bloquée passant de près de 22 milliards de dollars en fin année 2020 et plus de 250 milliards de dollars d'aujourd'hui côté n'a parlé à fin décembre. DeFi est sans aucun doute l'un des domaines les plus passionnants de la finance d'aujourd'hui.
avec de nouvelles offres échanges décentralisées, des prêts de la gestion d'actifs et même des offres d'assurance qui sont améliorées quotidiennement. Certaines des fonctionnalités de défi que la composabilité nous donne l'occasion de réinventer les services financiers avec une approche fondée sur les premiers principes, ce que nous n'avons pas eu l'occasion de faire depuis plusieurs décennies. Et cela attire non seulement des niveaux de records d'actifs, mais surtout des talents avec de nombreux esprits brillants concentrés au lancer de cet espace. Eh bien, monsieur fait connaître défi là, lui-même qui s'est finance décentralisée. Eh bien, année 2022, seulement yoté et gain en valeur totale de 22 milliards de dollars. Eh bien, année 2020, pardon, yoté gain en total bloqué de près de 22 milliards de dollars. Eh bien, pour fin année 2021, yo passé de 22 milliards à 250 milliards de dollars. Et pour fin décembre, je veux qu'on ait des filles là qui se financent décentralisées. Ben, je dis à la fin août, li, et il y a pas un record sans doute année qui va venir. Et l'autre prédiction, je fais qu'on est que ben, les États-Unis lui-même les dominaient le minage de Bitcoin et aide le ESCG. Jusqu'en juillet 2021, 65% de l'exploitation minière mondiale de Bitcoin avait lieu en Chine à la suite de l'interdiction. La quasi-totalité de cet actif s'est déplacée vers des pays plus favorables à l'exploitation minière de Bitcoin comme les États-Unis, la Russie, la Kanzadash et le Canada. Eh bien, il y a plusieurs pays qui développent interdiction sous crypto pendant 2021. Eh bien, États-Unis lui-même est déjà devenu le plus grand mineur de Bitcoin au monde. Leur part actif passant de 4% fin 2019 à plus de 35% après l'interdiction, avec une partie de l'incertitude réglementaire dans des pays comme le Kazakhstan. Nous devrions nous attendre à ce que la plupart américaine de l'activité minière continue de croître au cours de prochains mois. Et crypto MEA transforme le crypto licorne en pieuvre. Ben, ces dernières prédictions, monsieur fait connaître, et comme l'était prédit année dernière, 2021, que t'abgui un record en fusion et acquisition de crypto, selon certaines sources de données, ben, valeur, ça a lui-même en 2021, l'était passé à 25 milliards de dollars. Mais monsieur fait connaître, en 2022, et l'icône cryptographique, yo, n'a pas les deux actifs, yo, et ben, yo même, yo pral dépassé un prix qui est exorbitant. Mais c'est 10 prédictions, ça, monsieur fait qu'on est pour année 2022. Nous avons l'autre nouvelle pour vous. Top 5 entreprises qui gagnent plus Bitcoin dans le monde en 2021. Nous avons premier top là, lire les BlockOn. BlockOn, BLOCK.ON, ben, ils gagnent un pouvoir de 140 000 Bitcoin et chiffre salier qui vaut à 7 000 millions de dollars, et yo vérifié avec un calculateur de crypto nouvelle et de 0,66% total de 21 millions de bitcoins. Nous gagnons tout et MicroStrategy. MicroStrategy lui-même lui possède un total de 122 478 bitcoins qui équivaut à 6,12 millions l'île en deuxième, l'île fini après Block One. Nous gagnons troisième et compagnie et nous gagnons Tesla. Et bien Tesla lui-même l'île en troisième compagnie qui gagne plus Bitcoin, il possédait 42 900 Bitcoin qui équivaut à 2 000 millions de dollars, chiffre ça lui-même qui représente 65% de MicroStrategy, représenté 0,2% de total sous-ministre, monsieur. Et nous gagnons de Tezos Foundations lui-même, qui est avec Block.com, de Tezos Foundation, lui-même, les deuxième entreprise de top 5 qui part aux États-Unis, qui est pas cotisé dans Bols, dans market là. Et yo, en Suisse,
yo possédé 17 500 bitcoins, qui équivaut à 852 millions de dollars en crypto-monnaie, et ils ont gagné 0,083% et dans portefeuille. Nous gagnons Galaxy Digital Holding, mais eux-mêmes ils ont gagné 16 400 bitcoins, et qui équivaut à 820 millions de dollars, et ils ont gagné 0,078% de total soumise de Bitcoin qui existait dans ma quête là. L'autre nouvelle pour nous gain dans pays la Turquie, gagne parlement président Erdogan lui-même qui acceptait gagne président et Turquie a lui-même, nous connaissons président Turquie a lui-même, monsieur le président Erdogan, monsieur Sonek qui t'a fait en pile par en pile en 2021, parce que monsieur t'a fait connaître que lui-même, il n'a pas fait crypto-monnaie. Eh bien, je dis à nous gagnons et une loi que monsieur, une loi sur crypto-monnaie que monsieur a mis en marche, et monsieur fait connaître peut-être c'est un nouveau modèle économique qui est capable qui capable aider que les pays qui est capable d'aider l'Ira, qui c'est l'argent et pays, la Turquie, et qui capable récupérer et tomber de l'Ira. Ça veut dire, et inflation que l'Ira lui-même li gagne. Président Turquie, Recep Tayyip Erdogan, monsieur confirmé que la fait un projet de finalisation de loi de crypto et il va le partager avec Parlement. Et on a parlé de parlement turc et pour être capable appliquer et pour être capable appliquer économie ça dans le pays la Turquie, et c'est une très bonne nouvelle pour mon en Turquie, parce que monsieur t'a fait connaître lui-même les patap régulariser crypto. Nous gagnons information côté que nous pourrons partager et information côté à partager contentement côté en pile monde pour année 2021 et bail pi bel cadeau qui c'est crypto. Et c'est toute nouvelle nous te pour ce maintenant à partager top actualité à pour ce maintenant. Passer une bonne semaine. Et n'a pas les ciao ciao.